Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Grass Out. En tout cas une vidéo un petit peu plus particulière, une vidéo information on va dire. J'ai profité de cette petite vidéo en fait information que je vais vous placer à la place d'un épisode classique de Grass Out. Pour vous faire donc, écoutez, la petite demande habituelle. Maintenant que je vous ai fait 3 vidéos découvertes sur Grass Out, de voter en haut à droite de votre écran. Vous trouverez un sondage tout simplement pour voir si vous souhaitez remplacer Lego Marvel Avengers par Grass Out, sachant qu'il est possible qu'à partir du 28 juin, il y ait du Lego Star Wars Le Réveil de la Force qui arrive sur la chaîne. Moi j'aime beaucoup les jeux Lego parce qu'en fait ce sont des jeux assez légers à jouer, vous voyez, c'est assez sympa, il y a de l'humour dedans de base. C'est vrai que de l'humour on n'en trouve pas tant que ça dans Fallout 4, encore moins dans Far Cry Primal à part au niveau des hurluberlus qu'on a avec nous. Dans Star Wars on en a, mais en ce moment c'est assez léger parce qu'on n'a pas beaucoup d'histoire et puis c'est quand même assez particulier. Donc ouais, je me dis qu'un jeu Lego c'est toujours vraiment sympa, puis en plus ça peut être un sympa au niveau de cet été, au niveau de la licence tout simplement. Moi les jeux Lego Star Wars... Comment dire ? J'en ai fait plein. J'en ai fini plein avec mon meilleur ami, du coup, à 100% en plus. Sur la PlayStation 2 à l'époque. Donc niveau jeu Lego Star Wars, je m'y connais un petit peu. Encore une fois, après, ce sera à vous de choisir le moment venu. Mais pour l'instant, en tout cas, je vous fais voter pour Grass Out à la place de Lego Marvel's Avengers. Vous votez en haut à droite. J'espère que vous serez nombreux à répondre. N'hésitez pas à commenter votre vote dans les commentaires directement en dessous de la vidéo. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'invite à la pouce bleuisée aussi, parce que vous pouvez mettre un pouce bleu. C'est toujours sympathique d'en avoir. Merci de l'avoir regardé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop !